Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis hyper heureux, on vous accueille chez moi en Guadeloupe et vous pouvez voir le cadre est magnifique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une thématique qui est très simple. C'est je reçois quelques coups de fil et les gens n'arrivent pas à comprendre dans quel but et pourquoi on veut créer cette communauté. Donc, je vais vous le dire, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous en saurez un peu plus sur mes attentes et sur mes objectifs quant à la communauté. Voilà. Alors, pour revenir pour répondre à Adrien, pour répondre à Beko, pour répondre à tous ceux effectivement qui se disent « Mais pour le moment, qu'est-ce que tu veux faire ?» Bah pour le moment, ce que je veux faire, c'est être utile. C'est que je veux donner des conseils. C'est que je veux me faire plaisir. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo du concept du un jour de plus ou un jour de moins. Et aujourd'hui, moi, c'est un jour de plus. Un jour de plus où je m'amuse. Un jour de plus où j'ai l'impression de contribuer, si vous voulez. De contribuer, oui. Parce que c'est ça qui me nourrit, c'est ce qui me fait plaisir. Donc, à tous ceux qui me demandent, mais pourquoi? Ben, le premier but, c'est de créer une communauté. Première chose, vous pouvez aussi retrouver sur une plateforme qui s'appelle l'Odyssée. Vous pouvez aller taper sur mon site internet qui s'appelle philippefabignon.com pour 6,99€. Et je vais vous parler effectivement de soutien, d'argent, je ne vais pas en avoir honte, et encore c'est 7 euros, pour 7 euros, 6,99€, je donne l'opportunité, l'occasion de souscrire à une plateforme où on va mettre plein de vidéos de différentes personnes, qu'on va interroger des gens qui sont inspirantes, qui sont passées par des parcours qui sont, on va dire, remarquables, ou parfois des parcours qui ont été difficiles. Et vous savez quoi? J'ai constaté, et je ne suis pas le seul, je ne réinvente rien, que d'écouter les histoires des autres, ben ça éclaire parfois la nôtre. D'écouter les complications, les difficultés que certains ont eues, et certains ont bravé et ont surmonté, et ben ça nous aide. Et ça nous donne des clés aussi pour surmonter parfois les nôtres. Donc, cette plateforme, voilà déjà le premier but, c'est que vous puissiez avoir accès à cette plateforme et on va mettre beaucoup, beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, on est en Guadeloupe pour en faire une, et j'ai inventé un mot, j'en parlais quoi, j'ai inventé, avec toute l'humilité que je peux avoir. On est en train de créer en Guadeloupe quelque chose entre le vlog et les documentaires qu'on a fait, et on appelle ça du vlogumentaire, voilà. Et ça, vous le retrouverez sur la plateforme l'Odyssée, n'hésitez pas, vous l'aurez en lien, souscrivez-y, vous aurez un lien en dessous, dans la bio. L'autre chose, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Moi, l'autre raison, elle est aussi que j'ai envie de pouvoir amener mon savoir. Mon savoir aujourd'hui, il est sur le storytelling. Comment, de par son histoire, de par sa vie, on peut fidéliser, on peut captiver une audience, on peut capter l'attention, on peut développer son business. Bien entendu, et bientôt, vous allez avoir une proposition de ma part sur un accompagnement sur le storytelling et les bienfaits qui, pour moi, sont incontestables. Incontestable, le storytelling. Donc voilà encore pourquoi je fais ça. On est en train de faire cette formation, cet accompagnement si vous voulez, avec des auteurs, coach en PNL, on est plusieurs autour de la table à travailler là-dessus, j'en suis hyper heureux. L'autre chose, il est aussi sur cette méthode que j'ai surnommée la méthode Houdini pour capter, pour détecter, pour faire sauter les verrous de votre vie. Si vous pouvez, si on peut, il y a certains verrous qui seront très durs à faire sauter, et il y en a d'autres qui ne sont, il faut juste les détecter et essayer d'influer, faire différemment par des exercices. Ça sera la méthode Houdini. Houdini, c'était un célèbre magicien qui plongeait dans l'eau enchaîné, et son tour était de se défaire de ses verrous le plus vite possible pour se libérer et respirer à la surface. Et ben, à l'image d'Houdini, ben, nous, c'est un peu ça qu'on aimerait proposer, c'est que on puisse faire sauter certains verrous que l'on a et qu'on a acquis tout au long de notre vie pour pouvoir respirer mieux, pour pouvoir se sentir mieux. Donc voilà, trois choses déjà qui sont des vidéos d'inspiration, le storytelling et la méthode Houdini qui vont arriver. Mais le principal, je vous le redis encore, c'est d'être ensemble, de communiquer. Mais si vous saviez à quel point ça me fait plaisir de ne plus, parce que j'ai eu peur de pouvoir faire ces vidéos, tous ces conseils. Et aujourd'hui, quel plaisir
de pouvoir communiquer avec vous, de ne plus avoir cette fameuse crainte d'être dans une espèce d'entraide. Mais c'est déjà l'essentiel pour moi. Donc j'espère avoir répondu à certaines questions et certains questionnements de personnes qui ont, à juste titre, qui veulent savoir, mais dans quel but c'est. Bah, le but, il est positif. Il est hyper positif et il y aura beaucoup de choses qui seront des accompagnements où on sera ensemble pour aller sur ce chemin, le chemin d'une réussite d'objectif. Voilà. Pour finir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout laissez-moi des messages pour qu'on puisse communiquer ensemble. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Envoyez-moi des messages, que ce soit en privé ou pas, je vous répondrai. Et la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Il y a un lien, ça c'est hyper important, dans la bio, cliquable. C'est un cadeau gratuit, un e-book que j'ai confectionné pour vous sur le storytelling, sur aussi des clés pour aller réussir certaines choses et les verrous que l'on peut aussi avoir tout au long de sa vie. C'est gratuit, c'est un e-book. Prenez-le, ça vous... Il n'y a aucun engagement. Voilà, c'est comme les forfaits téléphoniques, sans engagement. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous fassions ensemble une communauté et que cette communauté marche sur le chemin de la réussite. Et le chemin, il est où? Il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas derrière, il est devant, il est là-bas. Ciao.